Si vous avez déjà goûté au bœuf mongol, vous savez comme il est savoureux. Je vous propose de le faire sauter avec des nouilles. Je commence par mariner 350 g de viande de bœuf. Pour cela, je la coupe en tranches d'un demi-centimètre d'épaisseur, toujours perpendiculairement au sens des fibres. Je les mets dans un grand bol. J'y ajoute une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café d'alcool de Richhausen, une cuillère à soupe de sauce de soja clair, un blanc d'œuf. Je mélange. Je mets 30 g de fécule de maïs. Je mélange à nouveau. Je laisse reposer pendant la suite de la préparation. J'émince 4 feuilles de chou vert. Une carotte en julienne. Un oignon en morceaux. Deux mini poivrons en petits morceaux. 30 g de cive et 15 g de coriandre en tronçons. Je râpe une cuillère à soupe de gingembre. Je hache 5 gousses d'ail. Je les mets avec le gingembre. Maintenant, je prépare la sauce d'assaisonnement. Dans un bol, je mets 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz noir, 2 cuillères à soupe de sauce de soja clair, 1 cuillère à café de sauce de soja foncée, 2 cuillères à soupe de sauce d'huître, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 quart de cuillère à café de sel, du poivre moulu, 1 cuillère à café de fécule de maïs. Je mélange bien. J'ajoute 100 ml d'eau. Je mélange à nouveau. Je démêle 400 g de nouilles fraîches. Vous pouvez regarder ma vidéo pour apprendre à faire des nouilles aux œufs maison. Je les plonge dans une marmite d'eau bouillante. Je remue brièvement. Je les laisse cuire à feu fort pendant 1 minute 30. Je les égoutte. Je les arrose d'une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Je les mélange. Avant de mettre les morceaux de bœuf dans de l'huile préalablement chauffée à 170 degrés, je les déconne des uns des autres. Je procède par moitié pour maintenir la température de l'huile. Je les remue pendant 1 minute 30. Je les sors. Dans une poêle chauffée à feu fort, je mets 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Quand l'huile est chaude, je mets le gingembre râpé et l'ail haché. Je remue régulièrement. Quand il commence à dorer, je mets tous les légumes, sauf la cive et la coriandre. Je remue pendant 2 minutes. Je passe à feu doux, j'ajoute la sauce d'assaisonnement, je remue pendant 10 secondes, je passe à feu moyen, je mets le bœuf, je remue pendant 20 secondes. J'ajoute les nouilles, je passe à feu fort et je mélange de temps en temps pendant 3 minutes.
Je mets finalement la cive et la coriandre. Je remue brièvement et je couvre le feu. Les nouilles sautées au bœuf mongol sont prêtes. Bon appétit! Les morceaux de bœuf sont très tendres, les nouilles rouzeux ont du goût et sont al dente. L'ensemble est un plat savoureux. Merci et rendez-vous au prochain plat fait maison sur Cooking with Morgane.